Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. Très ravi encore une fois de plus d'être là pour la présentation d'un nouveau numéro. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre encore une fois de plus. Cette semaine, nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus à nous rejoindre et vous vous êtes abonnés, d'autres ont partagé. J'ai vu les réactions, j'ai eu des mails et des mails. En tout cas, la réaction à cette émission sur la Constitution, sur la révision ou le changement de la Constitution a vraiment fait du tollé. Et puis, tout le monde me posait la question de savoir de quel côté je suis. Est-ce que je suis vraiment pour que nous puissions aller de l'avant ou bien je suis du côté du statu quo? Nous sommes là justement pour apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Nous ne sommes pas pour un camp, nous ne sommes pas de l'opposition, ni de la majorité, ni quoi que ce soit, mais nous sommes en train de réfléchir, comme a dit le titre de notre émission, réfléchir sur les solutions, ou bien la solution appropriée pour notre République démocratique du Congo. Nous avons constaté avec beaucoup de gens, beaucoup de partis politiques qui veulent conquérir le pouvoir, ils viennent au pouvoir sans se préparer, sans savoir exactement ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront au pouvoir. Et c'est là, nous le remarquons, qu'il y a des gens qui viennent, ils ne savent pas, ils n'ont jamais dirigé, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit, et puis ils sont là encore pour apprendre. Nous avons eu des chefs de l'État qui ont resté longtemps à la tête de notre pays, tout en étant des étudiants, donc ils se sont formés là, quand il s'était de président. Et c'est ça que nous ne voulons pas en République démocratique du Congo. Nous voulons assez que nous puissions mettre des solutions. Nous réfléchissons pas. Nous puissions réfléchir à ceux-là, pour ceux-là, qui pourront peut-être avoir cette opportunité de diriger le Congo et qui n'ont pas le temps de réfléchir sur le vrai problème, le réel problème que traverse notre pays. Pour que nous, ils puissent réfléchir en disant que non, moi si je deviens président, voici le ABCD que je vais faire. Voici là où je pense qu'il y a un problème et voici la solution. Alors, nous allons parler de quoi encore aujourd'hui? Nous allons faire justement la continuation de ce que nous avions parlé de la fois passée. Pourquoi nous devons changer cette constitution? Maintenant, nous vous avions promis que non, nous allons parler de l'armée, mais nous avions dit que non, cette histoire-là, nous pouvons d'abord le mettre en attente. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des éléments que nous voulons enrichir sur ce sujet-là. C'est pour cela que nous ne sommes pas encore prêts. Mais tellement que vous aviez posé beaucoup de questions, pourquoi est-ce que nous devons changer cette constitution? Et ma réponse, vous l'entendrez certainement dans cette émission. Si vous me suivez jusqu'à la fin, nous allons réfléchir sur pourquoi est-ce que nous devons changer cette constitution et qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui de changer la constitution. Voilà. En tout cas, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le changement de cette constitution d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri, attaque meurtrière contre un site minier à Djougou. Et puis, Ituri toujours, bombardement d'autres points décisifs des ADF par les armées congolaise et ougandaise. On va sur actualité.cd. 7 mois après la nomination des animateurs du nouveau programme DDR, peine à décoller. CENI, début de la formation du niveau 0 en prélude de l'actualisation de la cartographie électorale. RDC, nous ne pouvons pas espérer avoir la paix sans justice. Cette justice ne se négocie pas. Ça, c'est Denis Mukwege qui parle. Congo profond, Kasaï, ça c'est dans le Kasaï, enseignement supérieur universitaire, marche des étudiants le vendredi 4 mars 2022 à Tshikapa pour réclamer la reprise des activités académiques. Kwilu, Debi à Bandundu, des assises du projet d'équité et renforcement du système éducatif PERSE. 7 sur 7,
Ici, 7 sur 7, nous avons 18 miliciens Codeco, dont 3 de leurs commandants tués par l'armée à Djougou. Et puis, les professeurs suspendent la grève. Un ancien premier ministre exempté de poursuites. Dans un état de droit, il n'y a pas des intouchables et des vides juridiques. Tout le monde est redevable devant la justice. Ça, c'est le prof Luzolo Bambi qui parle. On termine par Radio Okapi. Lubumbashi, les magistrats observent un arrêt de travail. Et puis, la FEC salue la réhabilitation de la route Mambasa-Biakato-Beni. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est vraiment prédominée par ce qui se passe en Ukraine avec cette guerre vraiment l'actualité. Et la guerre est là, et puis il y a beaucoup de gens qui parlent de cette histoire-là. Nous ne sommes pas vraiment pas impliqués, mais ce n'est pas notre champ de bataille ou quoi que nos réflexions résident sur la République démocratique du Congo. Néanmoins, il y a des points de vue que nous pouvons donner, mais ce n'est pas, si vous attendez à ce que moi je puisse donner mon point de vue sur cette guerre-là, en tout cas ce n'est pas ici, peut-être c'est dans d'autres forums. Pour ceux qui me suivent dans les forums sur WhatsApp ou bien dans les groupes de Zoom ou quoi que ce soit, là, je peux donner mes points de vue sur l'actualité, puis c'est sur l'actualité en Afrique et puis dans le monde. Mais aujourd'hui, nous allons encore continuer, comme je vous ai dit, du pourquoi du changement de la Constitution. Bandeko. Modèle Mboka na biso ezali explique, excusez-moi d'aller un peu parce que je veux marteler cette histoire ici. Je veux aller dans notre en Lingala. Mboka na biso ndenge tozali lelo ezali soni et puis za mawa. Pourquoi est-ce que tokoki ko s'arrêter lelo? S'arrêter, c'est-à-dire quoi? S'arrêter, c'est-à-dire que tout mita la biso moko en face en se disant qu'est-ce que nous avons fait et lo koni nango zo bongate place ni nango to ko sala poto bongisa mboka o poto remettre mboka oyo et que nene toko bandela wapi nini nango foto sala poto bongisa mboka oyo. Nous devons nous arrêter et pour nous poser les questions fondamentales. Bandeko, toko kiko kende na ba élection te na boulouye ke kakaboué. Est-ce que les élections otozo luka? Est-ce que za batou ba za koe bisa biso kat élection de ko résoudre ma kamuna biso? Est-ce que élection anande ko tonge la biso ba balabala? Le grand problème du Congo ezali toza kope sa bokonzi na mutu moko. Et puis, Mutumoko Oana Azali Netikaka Nzambe Nabiso, le président de la République, je ne parle pas de Félix, je parle de l'institution de l'institution présidence de la République. Bandeko, Nanyo ya Moko ya Kolobakeno, Tata Mokonzi, Yende Mokonzi Nabiso, Yende Mutuakosale Nabiso, Yende Mutuakosala Boe, Yende Mutuakosala Boe. C'est ça la notion qu'il faut que nous puissions bannir oyo poto bongisa mboka oyo. Ce qui to réussir ya kolongola eloko wana na mitu ya ba congolais ya kolobakeno mokonzi azaka kande mokonzi na biso ba konzi na biso bazala na Kinshasa to kovanda kaka tozozela ka mokonzi ya sala. C'est ça le grand problème. Tant que les lords congolais nyo sa ko comprendre que non problème ezali kaka wana. Le chef de l'État, vous entendrez dans les émissions par-ci, par-là, les ministres vont vous dire que non, nous sommes sous la vision du chef de l'État. Nous aidons le chef de l'État. Nous accompagnons le chef de l'État. Donc, chef de l'État, de mouto akosala, po bilo konyo so échangé. Po to tonga balabala na mbandaka, il faut chef de l'État décider. Poto ça labo il faut chef de l'État a décidé. Et là koni nango ezali ko pesa chef de l'État bokonzi wana. Je crois que eza même constitution te. L'ennemi est entré vraiment jusque dans le fin fond ya ba congolais pour na koloba ke non. Bokoki ko sala lelo ko mon côté. Eza kaka chef de l'État nde muto akosa akotale. Tout est fait, il faut président de la République, il faut président de la République. Jamais biloko msusu to ko pesa responsabilité na batu msusu te.
Même ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le président de la République. Alors, et l'okwane outi wapi, poto kende na kote a solution, et outi wapi, et outi na système otozanango unitarisme. L'unitarisme, c'est ça qui tue notre pays, Bandeko. Oyo bokonzi nyonso eutaka na Kinshasa. Bokonzi nyonso pa na Kinshasa te, mais eutaka na présidence à la République. Okoyo kaka balobi président ya kotale la biso makambu. Bozala na aru, ezala na sécurité, ezakaka na mutu ya mutu moko. Au 21e siècle, dans le siècle où nous sommes aujourd'hui. Tozo pesa mutu moko kaka ne mutu azo sala. C'est cela où nous disons, Bandeko, mutu moko wana ak. Kwazala na conscience ya koloba, nous pouvons pas continuer comme ça. Batu mususu ba okiko sala mabe, mais ezako kwa ya kakana, mutu ya président de la République, présidence de la République, parce que président nanu a lobité, président nanu nanu a sali eloko mokote, président nanu a tinde libiso eloko mokote, président nanu a sali boete, président nanu a sali, li loba wana nde mutu ezako bo mabiso ba kongole. C'est pour cela que nous nous sommes dit, avant tout ça, la macamounyoso, avant que bilokonyoso et salema, nous devons nous mettre d'accord. Kemboka oyo, eko sal, eko tongamaka, eko zalaka développer na mutu mokote. C'est ainsi que osa komona batu msusu bazakoya, na modèle wana, ya koloba ke non, nga inde mutu na kosale la bino, soki na komi président na kosale la bino boe, nga soki na komi président bo moni nga nazana motema boboto na kabaka, nga mutu, c'est comme si. Président de la République alelo azana mutema akokabate. Nous avons fait des hommes de Dieu et les hommes sont passés devant les institutions, devant les lois de la République. Soki président lobi ke bak fungola mutu bakokanga mutu. Soki bakangi mutu président lobi te wana il faut pas bakangaye. Donc tout est reposé sur la tête du chef de l'État. Le chef de l'État est le garant de tout, de biloko nyonso tout. Même, nous allons même au-delà de la constitution où ils ont corrigé Bisso. Tous les pouvoirs sont donnés au président de la République. Mais on ne voit même plus le premier ministre. Donc, Moutoumoussou n'a pas de Bisso à Kokiko Salaté sans que c'est seulement le président de la République. Maintenant, c'est ce que nous disons, il est grand temps Bandeko. Tout changer et loko oyo. Il est grand temps à ce que nous puissions changer cette histoire. Et Moutou oyo. A kokiko tindi kabiso na eloko wana ko changer eloko yo. Eza ye moko mutu aza na pouvoir wana. Pourquoi? Parce que la constitution lui donne le droit. Il peut initier. Biso bandeko. O moni pourquoi est-ce que même le parlement d'aujourd'hui ne peut pas initier nani ya nani ya changement à constitution ou bien même retouche à constitution. Pourquoi? Parce que batoué belé, baza pour que eloko yo statiko etikala. Batoué belé balingi eloko etikala. Batoué belé balingi to kende libosote. Ko kende libosote, ça c'est-à-dire quoi? Nous allons rester dans le même système pendant que ils attendent leur tour. Ba kota na katia système ba se servir pe. Mboka o e komi eloko moko mutu na mutu akomi koluka poche na ye, libumu na ye, fami na ye, parti politique na ene mutu eko sala surtout yé, surtout les gens et puis nous déifions les gens au comment na biso ba congolais toza ko pesa importance mingi na batu o mutu wana aza mutu malamu o mutu wana aza tanga ebele o mutu wana nde mutu eko sala musala wana malamu parce qu'il yenda za na ba diplôme ebele. Nous donnons beaucoup plus d'importance aux gens. Nous ne définissons même pas musala oyo mutu ako kende ko sala es ako sala nini. Nous ne les définissons pas. C'est là où nous devons quitter zone wana nde il faut que to longwa bandeko. Ce qui to lingi mboka o il faut to longwa na zone wana koloba. Désormais, il n'y a personne qui peut venir se dire que non, c'est moi qui vous fera développement ngam tuna kotonge la bino ba balabala ngam tuna kotse. Même les gens qui sont en bateau ba étranger autozo kende ko signaka ba contrat na bango, ce ne sont pas eux qui viendront développer notre pays. Ezala FMI, ezala ba organisme international, ce ne sont pas eux. Eza biso moko ba congolais ndem tuto ko miti ensemble to koloba te bandeko photo sala boy photo sala boy photo sala boy nani akosale la biso boy bokonzi na yo yango okosala ABC de ko kende boy te ko kosala boy te c'est par là que nous pourrons être capables à juger batu. Alors pour y arriver qu'est-ce qu'il faut pour to longwa na eloko wana eza nini eza important que d'abord
ye moko mokonzi a zala conscient que non bato ebele baza koko sangai toko kiko kende na système oyo mutu na mutu akoya après akozala pe kaka akokuta kaka le même problème mboka basi bateka mboka moya osale loko mokote les gens qui sont en train de nous tromper na libanda balobi ngai so na comme président bozomo na nga na za manager ngai na za na ba na bilanga ngai na sala kaboe ngai na za na mbongo na kabaka mbongo batwana baza kokosa biso et c'est là que nous nous sommes dit nous devons éveiller la conscience ya peuple na biso ya koloba ke non peuple nous devons nous prendre en charge. Et c'est lui qui aura cette idée à diriger Bissot en nous disant que peuple zanga ite mutuna ko ko bungisa bino te zabino moko mutu boko sala bilanga bino moko mutu boko lona bino moko mutu boko boko bo sala bilanga na bino epu boko rip ba biloko na bino oyo boko lona boko lia na mutoki na bino ce n'est pas que mutu mususu akouta libanda aya ko bungisa bino aya ko tongela bino ba balabala aya ko tongela non. Organisez-vous à ce que vous puissiez avoir une justice saine. Aujourd'hui, la justice est sous caporal et la présidence de la République. Domaine Nyonso, Ezaba, président de la République, Okoyo Kaka, président de la République. Et tout ça est basé où na Katia Constitution Oyo. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous supportons le président de la République. À se dérober na batu o baza ko entouré ye batu o baza ko entouré ye baza moi je vous l'ai dit si ça c'est mon point de vue on est en train justement de l'amener au cimetière à Koufa mort politique ya Fatshi en restant avec ce qu'ils batu baza pembeni pembeni na ye wana baza ko memaye malembe malembe et puis ya au désavantage ya nini ya mboka c'est le pays qui perd eza batu wana te pays na biso ndeza ko perdre. Notre pays va perdre parce que nous aurons passé une mandature moko sans et au sale et l'autre côté. Le pays ne faut que s'empirer babilo konyo seza tozo kende kaka tozo teka kaka mboka tozo kende kaka kote kamboka mboka za kote kamakaka bandeko c'est ça justement la réalité vérité angoana. Il faut absolument to casser to koto loba non. Nous ne pouvons pas changer ce pays na modèle otozokende. Tokokende ndenge nini? Nous nous avions proposé une solution. Je vais expliquer encore cette solution aujourd'hui na ndenge nini tozokende. D'abord un, nous supportons le président de la République à mettre fin à système oyo ya unitarisme à outrance. Nous avons dit le moyen de le faire c'est de proclamer une nouvelle république pour 2020 à partir de 2023. Nous entrons dans une nouvelle république que nous appelons la 4e république à partir de la 2023. Où en est-ce à l'objectif? S'il peut s'adresser à la population en disant Bandeko, ton bébé sali sous temps mingité, préparons-nous à entrer dans la 4e république où la loi fondamentale sera lue. Ce ne sera plus le président de la République qui sera le dieu Oyakoyako Sala Babilo Konyo Sotou. La 4e République est cause à la responsabiliser Nabatouba Congolais. Les Congolais doivent se réconcilier et être responsables. Yamabele Nabango, Nabokonzi Nabango, Nakatia Place Nyoso Bazali. Le peuple doit être en mesure de contrôler. Même à partir de ma territoire, base à la mesure à contrôler, IGF Zalaka na Kinshasa T. Toutes ces instances, tout le travail devra être fait à la base. Donc, ba base ne mutufwe banda kosala musala. L'été banda kosala musala, mutu soka za policier azo sala musala na ndenge oyo, ba yebisa ki asala. Mutu te akokikoya na musa na nani na musa na azala ministre ou bien azala administrateur de territoire aya kosala oyo eza na mutu na yete il faut aya kosala na oyo batu bayokani ye akosala parce que c'est à partir de ça qu'on pourra juger les administrateurs de territoire sur leur programme il y a programme oyo population et ensemble volonté à peuple na bango ezali ndenge nini pona ko développer nani na bango ba yebi ke ba projet na bango ezali ABCD na kati ya territoire na biso voici ce que nous voulons atteindre dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans dans 50 ans tolingi tozala na ABCD maintenant les moyens qui sont donnés pour
pour que Biloko ne coma. Ce sont les moyens que nous devons trouver dans notre territoire, dans notre secteur. L'administration doit être mise en place. Il faut des solutions au Parlement. Proclamer une nouvelle constitution qui sera mise en application à partir de 2023 lors des élections, parce que dans 2023, nous allons élire les administrateurs des territoires, les gouverneurs de la province, et puis les députés, le président de la République. Sous un autre système autoroutier en place. Ce qui est système est la présidentielle. Mais c'est la présidentielle avec des états bien décentralisés. Mais ça, les autres, ça, les ma déjà, na base. Les gens vont compiler, babilo, qu'on a bango. Ce qui est déjà na budget national. Et qu'on a basé sur le budget des territoires, batouna, batouba, ça, la misala, côté kuna. Et tous ces gens-là prendront en compte la possibilité na bango pour ça la programme na bango. C'est pour cela que nous sommes dit avec cette constitution d'aujourd'hui tokoki ko kende kuna te. Alors beaucoup de gens ont peur balobité Kabila, d'ailleurs dans beaucoup de salons on est en train de parler du retour de Kabila. Kabila ne peut que revenir dans ce système ici aujourd'hui, système où ndekoki ko permettre Kabila azonga. Nous disons ceci, nous devons discuter sur la constitution, batou na batou. La nouvelle constitution dans laquelle nous entrerons en 2023, le peuple congolais devra se prononcer. Est-ce que allons-nous accepter les anciens présidents de la République? Allons-nous faire quoi? Batou na batou. C'est pour cela que nous sommes dit, nous devons discuter sur la nouvelle constitution. Exactement que non, tozo banga nini. Batou na zo mona batou bazo banga. Pourquoi les gens ont dit discutent? Batou msou balobi, ne touche pas ma constitution. Constitution na biso e memi biso wapi. Les gens qui défendent justement c'est qu'on ne touche pas à la constitution, ne pas changer la constitution, c'est parce qu'ils sont en train de se battre. Ils pensent que bazo kanisa ke non, avec ba avance, avec les échecs du président de la République, baza capable à kolongola en 2023 et que eux ils peuvent être là et jouir justement de ce que nous avons. Nous allons encore rentrer dans le même système. Parce que le président de la République aujourd'hui échoue sur toute la ligne. Yangoana bango bazolinga. Non. Toi, il faut changer la constitution. Votons d'abord. Biso pena nous tous allons abokonzi pour que tous allons tous jouir pena banani wana biso neto kosara. Et c'est pour cela qu'ils promettent mondes et merveilles. Leur chef, leur leader sont en train de débourser beaucoup d'argent. C'est que batuba sala makelele tout touche constitution. Et c'est là le vice. On a des actes comme on a que non, batubazo linga Congo te. Les gens n'aiment pas le Congo. Pourquoi? Parce que dans les partis politiques actuels qui veulent conquérir la magistrature suprême, c'est dans ce même système avec le même contexte, ils vont rencontrer le même problème que Tshisekedi a rencontré. Ezala Fayulu, ezala Batumsusu, ezala Moïse Katumbi, ezala Batunyoso, bazako linga bazala ba président de la République Baati, ba Kamere et tout ça. Dans ce contexte actuel, ils ne feront absolument rien parce que Mboka eza déjà na ndenge moko ya mabe. Il faut que tu changes paradigme pour toi espérer que non changement ko kiko ya.
Mais avec cette même constitution, et là, comment on peut changer, il faudrait que tu proclames tout le monde qu'on remette le pouvoir dans le pouvoir, dans le pouvoir à Koloba. Bon, en tout cas, la constitution est même mise ici à mon côté. Attends, tu as un million de voleurs. Changement est causé à la tête parce que les autres viendront regarder. Total à cas exemple, mon quoi à Koulouna. Chaque jour, mais comme le système ne change pas, il y a d'autres Koulouna qui reviennent. Il y a que les kidnappings, il y a Batou et Bélé, Kobo Manezo continue tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le même système. On ne peut pas faire la même chose et espérer tout ça la différence. Non. C'est pour cela que nous sommes dit, Totin di Kamasolo, n'a pas état généraux à ma territoire. C'est ça notre but. Totin di Kamasolo, n'a pas état généraux à ma territoire. Chaque territoire, président de la République, comme l'élo, batoubaza koye ba yo ke bokonzina yo ko kiko sa, ko. Comme mambongwana, mbongwana yango yana. Kasek enani, bomana ni Assemblée nationale. Proclamer que non, en tout cas, constitution Oyo, Soukanango, Ezokende, na 2023. Alors aujourd'hui, préparons-nous pour que toi, la constitution Asika, Oba Congolais, Bango Moko Bako décider sur la nationalité de personnes. Si la Ezala élite, Teza élite, te Likamba constitution, Ezaya Batu Nyoso. C'est comme ça que nous sommes dit, tout Congolais a droit de discuter dans cette constitution. Et le moyen le plus facile pour que toi apporter ma discussion, notre pays est en paix. Renvoyons les discussions dans les territoires afin que le résultat soit un résultat, province. C'est de là où vous allez dire que non, écoutez, la province est en Goyo. To compiler na babiloko outi na territoire et loko moko eza commun yango to tie yango ensemble na province to kesi ko na côté ya national na bato ya national nde to compiler ngo to sali référendum. Référendum wana nde ko tindika biso akozala na moyen ya possibilité ya koloba ke non. Référendum, voici le texte fondamental qui a été et selon la ma qui déjà à partir à ma territoire, nous tout le monde se reconnaîtra dans ce texte là. Et c'est là où nous pourrons discuter que non, bah en tout cas nationalité à Moutou, Ezabo et Nabo. Selon le point de vue de EO et Outinabatunion, surtout la majorité, ceux qui t'ont dit que non, l'article 10 qu'il faut changer en gros, alors nous entrerons dans une république où tout le monde saura que non. Pouvoir est à la base, bah tout le monde va discuter. Aujourd'hui, les gens me disent que non, oh, Likambwana, Ozoloba, pouvoir est à la base, pouvoir est à la base, t'es? Les territoires où les provinces n'ont jamais décidé sur l'économie na bango, leur sécurité n'est pas entre leurs mains. Ils n'ont jamais connu ça. Alors, n'y a aucun de ça, le projet à 145 territoires, na modèle ou constitution, ça peut permettre de voter. Ça ne sera pas possible. C'est comme cela que nous nous sommes dit, il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir sur une nouvelle constitution. Et la manière de réfléchir sur une nouvelle constitution, c'est aller dans les territoires, convoquer les états des lieux des territoires. Alors, Mbongo, place à Mbongo, on est au Utawapi. Pourquoi nous avons dit, le projet de 145 territoires ne consiste pas à aller construire des ponts ou quoi que ce soit. Non, le projet de 145 territoires, c'est justement amener le peuple congolais à se mettre autour d'une table en se disant, nous avons 10 millions de dollars. 10 millions de dollars on a chaque territoire. Tout organisé, comment est-ce que nous pouvons planifier notre territoire pour que tout réfléchir sur la constitution, tout ça là. Qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que nous allons construire quelque chose dans notre... comment est-ce que nous allons... Ces assises-là devront être financées par le gouvernement central. C'est là où je me suis dit... J'ai dit aux gens que non. Même si c'est 1 million, ou bien attends 10 millions, bien 1 million, bien 5 millions. Le principal, ce n'est pas que le gouvernement central va donner cet argent en disant que non, faites ceci, faites cela. Non. Bon, on est causé à la disposition à bas territoire en disant cet argent n'est pas pour vous pour faire quoi que ce soit. C'est lors des états de lieux où les gens pourront discuter. Nambongo, oh, quels sont les
le programme que nous devons exécuter afin que et permettre biso tango ya ko sukisa ba état de lien na biso tozala na eloko moko palpable mbongo na salinini et permettre biso tozala ensemble et permettre biso par exemple totonga bâtiment administratif à Dania, y a territoire na biso et permettre biso tout bientôt bandit déjà et permettre biso totonga balabala ou permettre biso to sala boy 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 mais outcome quoi le résultat est là qu'on a biso ya ba conférence na biso na il faut zala na texte moko oyo ko kende ko zala discuter à partir ya ba province. Moi je suis pour que totika la na ba disposition ba province ndenge tozana ngo lelo lelo, c'est-à-dire quoi, moi c'est-à-dire 26 provinces avec les 145 territoires éparpillés dans les provinces. Donc comment on a ba province mususu zana 8 territoires, ba province mususu zana 7, mususu zana 4, mususu zana 2. Ça dépend. Et dans les territoires, les gens qui sont dans les territoires, ce sont les notables. Non, on ne peut pas influencer 145 territoires. Les médiocres ne pourront pas toujours être dans tous les territoires. Il y aura des gens qui seront très bien. Et nous aurons une certaine compétition. Non, il est grand temps, c'est que nous autres aussi, nous puissions pousser à l'avant. Voilà un peu l'idée, Yakoloba. Pourquoi est-ce que nous devons changer absolument cette constitution? Moi, je ne suis pas pour la modification. Je suis pour un changement radical que Batouba réfléchir na Katiaba territoire pour que tous allons à la constitution Asika. Constitution Asika, ezala déjà promulguée avant 2023 pour qu'en 2023, tous allons à la élection. C'est comme ça que je me suis dit. Aujourd'hui, félicitons ou bien to supporter président de la République Oyaza Lelo akomati na ide wana. Yangwana bandeko nazako senga na bino. Partagez ba émission Oyo. Abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Ces idées sont vraiment capitales pour notre pays. Tozana nzela mususu te. Nzela mususu ezalite. Si nous ne réfléchissons pas réellement sur le décollage effectif, yakope sa pouvoir na katia peuple, peuple à réfléchir, na ndenge a gestion un pays, toko kende kaka na boulou yeki. Partagez cette émission afin que ba élite toza la moi e belé awa. Abonnez-vous surtout. Ce qui vous a qu'on s'abonne, ezakope sa émission na bisope visibilité à makasi. Et puis ce qui toza na visibilité à makasi, au comment on a qu'un jour les décideurs vont commencer à mordre comme ils l'ont mordu. On parle de projets de 145 territoires et ça peut mal parce que tous les mondes que batouana bazako expliquer on a ndenge ya malamu te. J'aimerais que vous puissiez vraiment bozala bolanda bien comment est-ce que nous, ce n'est pas question d'aller distribuer de l'argent dans les territoires. Non, c'est question de réfléchir sur un nouveau Congo. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, en espérant que ce message a touché quelqu'un, et puis, et bongoli makanisi ya mutu moko. Je suis toujours disponible à recevoir Babilo Konabino Nyoso. Les emails, je lis. Ba tweet na bino na tanga kayango. Oui, Instagram, toza un peu piraté, donc on n'est pas à... On n'est pas à mesure de diffuser sur Instagram parce que compte Nabiso, c'est comme si on a piraté en groupe. Hein? On n'arrive pas à accéder à cette Instagram. Alors nous nous excusons pour ça. Nous sommes en train de nous battre pour que tu récupères compte en groupe parce que vraiment nous sommes arrivés na batu belé. Beaucoup de nos abonnés Nabiso na YouTube, beaucoup sont plus, enfin nous avons beaucoup plus d'abonnés na Instagram que na YouTube. Batuming balanda Nabiso na Instagram, alors toza na possibilité ya kokoma ya kokota na ngote, c'est pour cela que vous allez voir que toza compte Nabiso en tout cas a piraté. Et s'il y a des messages qui sont diffusés là-bas, ça ne vient pas de moi. Ça fait déjà une semaine que nous n'arrivons pas à accéder à notre compte Instagram. Toyebite. Peut-être que c'était une mauvaise manipulation na équipe technique Nabiso, mais je ne sais pas. Parce que username Nabiso est complètement changé avec notre photo. Alors, moi problème. Merci beaucoup. En tout cas, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.